y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé dans mes précédentes vidéos et par message privé pourquoi je vais aussi souvent au sport. Bon, le sport, c'est pas juste une façon de se défouler, une façon de rester en bonne santé. C'est aussi une façon de travailler son mental, son mindset et son aptitude à se dépasser dans la vie de tous les jours. Et moi, je vois vraiment le sport comme une sorte de travail physique, c'est clair, mais travail mental pour moi aussi, pour réussir dans la vie de tous les jours, à chaque fois, en fait, délivrer plus que ce qui est attendu et dans les instants difficiles, me dépasser. Maintenant, je vais au sport, je vais me mettre en mode beast mode, c'est comme ça que je l'appelle. Je m'isole à fond dans ma tête, je me conditionne pour être prêt, pour me défouler à fond pendant une séance qui dure environ 45 minutes à 1 heure. Du coup, on en reparlera pendant la séance et après la séance. Je commence souvent par une demi-heure de vélo, de cardio, pour monter à fond la pompe, pour que le sang puisse circuler à fond mon corps et vraiment starter la machine. Et après j'enchaîne avec les machines, le poids lourd, et là où je termine à fond ma séance. Voilà, maintenant la partie échauffement elle est terminée, je fais environ une demi-heure de vélo et c'est là que c'est difficile maintenant parce que dans ma tête, mon corps est juste au bout du bout, il est vraiment dans ses réserves et c'est maintenant que je vais encore repousser la machine, là je fais plutôt musculation, comme ça je commence par une partie cardio où je transpire, je travaille la pompe et après je pars sur une partie plus musculation, là je vais faire biceps, triceps avec abdos et je verrai peut-être autre chose mais je pense en tout cas les bras vraiment. Comme ça, je fais autant musculaire que cardio. Je pense que c'est un bon truc complet. Et j'en reparlerai juste après. Mais ce que j'adore, c'est le fait de se dépasser à chaque fois. Et même si maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter, c'est d'aller prendre un truc à boire tranquillement, d'aller travailler après, de me poser, de prendre un café. Mais c'est maintenant, en fait, qu'il faut réussir à mettre le cerveau en mode off, ne pas trop penser aux douleurs qu'on peut avoir, au fait qu'on est fatigué et qu'on n'en peut plus. Mais se dire, voilà, maintenant, je vais être content à la fin de la séance de me dire, bah, j'ai réussi à pousser mes limites. Et si on arrive à le faire au sport, on arrive aussi à le faire dans la vie de tous les jours. Thank you.
Séance terminée, j'ai fait environ 1h15 de séance. À la base, je fais plutôt 45 minutes, 1h. Pour moi, le sport, c'est pas juste une façon de se défouler, une façon de rester en bonne forme physique. C'est clair que je le fais pour, voilà, pour me sentir bien dans mon corps et bien dans ma tête, mais surtout justement bien dans ma tête, pour essayer de me forcer en fait chaque matin à me dépasser et à mettre mon mindset dans le bon état d'esprit, dans les bonnes configurations, pour être sûr que pendant la journée, je puisse accomplir des choses qui pourraient me faire chier. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois le matin, quand je vais en sport, forcément, j'ai pas envie chaque matin de venir à 8h ici, de me défouler, de transpirer, de suer. Pendant que je fais mon sport, je me dis, mais j'ai pas du tout envie de revenir demain. Et pourtant, chaque lendemain, je reviens. Vraiment, je vais chaque matin de la semaine. Le week-end, des fois, je vais un jour ou deux jours, ça dépend. Mais vraiment, le but, c'est juste de me défouler à fond, de donner le max que je peux pendant la durée que j'ai ici. Je pense que le sport, c'est la meilleure école de vie, à mon avis, pour réussir à se dépasser dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a une partie physique, c'est clair, mais pour moi, je pense que les 40-45% du sport que je fais, c'est pour le mental, c'est pour travailler le mental. Et du coup, en fait, le fait de venir le matin ici, de faire du vélo, de faire du fitness après, j'ai souvent mal, j'ai envie de poser les poids, descendre du vélo, j'ai envie de me reposer, d'aller au bureau, d'aller prendre un café et partir. Mais en fait, là, je me force dans mon cerveau à me dire, ok, maintenant, j'en fais une de plus. Je fais une rep de plus, je fais 5 minutes de plus. Et en fait, à chaque fois que je dois faire un petit peu de temps ou bien que je dois faire une série, bah, je me force dans ma tête à me dire, ok, si je vise maintenant d'en faire 12, bah, je vais faire 13 répétitions. Si maintenant je vise de faire 15 minutes de vélo de course à pied, bah, je vais faire 20 minutes. Même si à la fin, je suis mort, je repousse de nouveau un petit peu. Et en fait, c'est comme ça que je pousse chaque fois mon mental dans ses limites et que je me prouve à moi, en fait, que je peux réussir à me dépasser, à me surpasser. Maintenant, c'est clair, le but, c'est pas de se rendre malade, de gerber, de se mettre mal, mais c'est en fait de juste chaque fois faire un tout petit peu plus que ce qui est attendu, un tout peu plus que ce qu'on attend dans notre cerveau pour prouver à notre mental qu'on peut y arriver, qu'on peut réussir à donner encore plus. Et c'est pareil pour la vie de tous les jours. Il y a plein de choses qu'on veut faire, plein de choses qu'on veut réussir à accomplir, mais très souvent, on a un peu tendance à abandonner dès qu'on est fatigué, dès qu'on a peur, dès qu'on n'arrive pas à avoir la vision, le bout du chemin, dès qu'on n'a pas l'impression que ça avance. On a envie de baisser les bras, d'abandonner. Bah, je pense que justement, le sport, si on peut réussir à être bon dans le sport, du coup, on travaille un bon mental, on arrive à se dépasser dans le sport, on peut aussi du coup se dépasser dans la vie de tous les jours. Et j'aime beaucoup le fitness pour une chose principale, c'est que c'est moi contre moi. Il n'y a aucun coach, il n'y a personne qui est là pour me motiver, il n'y a personne qui est là pour me dire ce que j'ai à faire, il n'y a personne qui est là pour... il n'y a pas de source externe de motivation. Il y a des phrases qui disent souvent que là où c'est le plus dur, c'est quand on n'est pas sous les projecteurs, il n'y a personne qui nous regarde, personne qui nous suit, personne qui nous encourage, et c'est là en fait que ça vient galère, c'est là que c'est difficile. Et que tu es livré seul avec toi-même, c'est là que c'est difficile de se dépasser et de réussir vraiment à se surpasser et à se battre soi-même. Je pense que la majorité des personnes qui ont bien réussi dans la vie, c'est les personnes qui font beaucoup de sport. Vraiment, faites du sport à fond, je peux que vous y encourager. C'est clair, il y a des périodes où on est motivé, d'autres moins. Il faut accepter un peu les baisses de motivation, il faut accepter un peu les périodes plus molles. Mais je pense que c'est toujours important de réussir à se prouver qu'on peut réussir à faire plus. Et en fait, notre cerveau, il peut soit détruire, soit construire nos rêves. Et on peut avoir des pensées limitantes, on peut avoir une vision limitante. Et je pense que si on arrive à se prouver personnellement qu'on peut réussir à accomplir des choses, bah, du coup, on brise un petit peu ces limites qu'on pourrait se mettre au quotidien. Et c'est pour ça que je kiffe trop, trop, trop le sport. Voilà pour cette vidéo. Dans les instants qui vont être difficiles, vous aurez qu'envie de baisser les bras. Forcez-vous à continuer pour vous prouver que vous pouvez y arriver. Faites du sport, il n'y a rien de plus puissant. Dépassez-vous psychologiquement et physiquement. Et n'oubliez pas un truc, surtout, souriez à fond, ça fait une immense différence. À bientôt.